sky. She ever's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. Je sais, je ne chante pas bien, mais salut à tous et à toutes, c'est Zombie Cute. Ensuite, on se retrouve pour une très bonne vidéo. En ligue, en 4 contre 4, oui, la ligue c'est du 4 contre 4, donc rien ne change. Je joue avec, comme d'habitude, mon ami Karine. Karine, c'est en même temps, c'est Shadow Dragon, donc il a deux cons si jamais. Donc la particularité de ce gameplay, c'est que je vais pas vous le dire tout de suite, parce que je. J'ai regardé mes anciennes vidéos et j'ai vu que je spoilais vraiment beaucoup, que ce soit le score et ta galère. Donc je préfère vous laisser la surprise. Je vous laisse découvrir, je vous commenterai un peu ce qui se passe sur le moment. Donc ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'on joue contre une team. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont pas le même nom de clan, mais ils ont le même genre, le même nom de... Pas le nom, mais... Le même dessin, voilà, le même dessin de... Donc c'est un dessin d'une banane, donc... on l'appelait la Team Banana. Donc, voilà, on va jouer contre la Team Banana. On est en point stratégique, comme je l'ai déjà dit, je pense. Et c'est vraiment un mode que j'affectionne, parce que c'est... Et dans cette vidéo, surtout, vous allez voir que... Je vais être quasiment, moi... Je vais être quasiment le premier à prendre chaque fois un nouveau point. En plus, c'était une des premières fois que je jouais sur Yemen. Donc, la première fois qu'il y avait tous les points, je savais pas trop où il fallait aller. Mais maintenant, au bout du deuxième fois où ça recommençait, je savais assez bien et je pouvais assez facilement piéger les ennemis. Donc, je profite vite, pas pour ce moment de répit, mais je dois vite passer une dédicace à deux petits gars. Premièrement, je passe une dédicace à Arbnor, alias le PGM de Call of Duty. Évidemment, je blague, c'est une grosse merde, mais je lui passe quand même un petit salut. Non, je rigole, parce qu'il faut pas que j'ai du mal de lui, sinon il va se désabonner. Donc, un petit coucou à toi. C'est un petit coucou aussi à un pote à moi dans la classe, Michael, qui m'avait supplié de lui faire une dédicace. Ben, je t'en fais une. Allez, y'a pas de soucis. Mais non, je rigole, allez. Je vous embrasse bien fort les deux, et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, parce que voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, et j'espère que ça vous plaira. Enfin bref, donc vous voyez, on a très bien commencé le point stratégique, on met quasiment de 50 points au début. Quasiment de 50 points, ouais. Ouais, on peut dire ça. Saleté de robot de merde, je sais pas comment j'ai réussi à l'éviter, il essaie de me viser, il a réussi à me toucher, mais je me casse. Donc voilà, là, vous voyez, les ennemis, ils commencent vraiment à bien remonter. Même vraiment bien remonter, parce que là, je pense qu'à ce moment-là, on a perdu un peu le cours du match. Parce qu'avant, au début, les deux premiers points, on les gardait assez bien. Mais par contre, maintenant, c'est vraiment l'anarchie totale. Regardez, ils ont ce point maintenant, ils l'ont depuis tout le temps quasiment. Alors là j'étais un petit peu deck, parce que regardez, là j'ai essayé juste de m'accroupir contre le rocher et ça m'a fait sauter. J'étais vraiment pas content du tout. Donc là, puisque comme j'ai dit avant, puisque je connaissais pas où les points sur Yemen spawnaient, donc j'étais un peu piégé et je me faisais tout le temps spawn tout au bout de la map. Et donc voilà, même les ennemis ils connaissaient pas très bien, puisqu'ils le prennent juste à peine après 10 secondes, donc ça prouve qu'ils connaissent pas bien ce point. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de... Moi, je sais vraiment pas quoi vous raconter. J'espère que vous allez bien. Non, mais moi, je vous dis, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop regarder. Allez, on va plutôt parler du gameplay. Allez, là, je pensais qu'il y avait. Je bute un ennemi. Et là, j'ai pas vu l'autre qui était sur la droite. Donc, vous voyez, cette Team Banana, elle nous pose quand même bien problème. Là, là. Pas facile, pas facile. Là, j'ai eu beaucoup de chance de pas me chever, parce que tous les foudrements étaient juste à côté. Là j'ai tenté un... Eh oui, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a un robot, il y a un gars... Donc là vous voyez, ils ont quasiment fait plus de 100 points de suite. Donc là on se fait totalement exploser. Ça ne va pas, bon sang. Mais comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je pourrais bien sûr toujours mettre des vidéos où je perds, des vidéos où je fais égalité. Ouais, bien sûr, en point de faire des égalités, voilà quoi. Donc là vraiment ce missile storm, il a vraiment fait mal, parce que on était assez bien positionné et là on se fait vraiment tuer un peu bêtement par ce missile storm. Bon, pas bêtement, mais on se fait vraiment tuer, c'est vraiment dommage. Et donc là c'est les ennemis qui reprennent bien ce point, et donc
Donc moi je disais à Manu, viens, viens, on y va, on rush, faut au moins le mettre en conflit. Faut au moins mettre en conflit, comme ça il y aura. Comme ça, ils pourront pas prendre de points, même si on se fait tuer, au pire on gagnera. Comment je pourrais dire ça? On réduira l'écart, voilà, un peu comme ça. Donc là j'essaie de faire le forcing, j'ai déjà buté un et deux ennemis et le troisième. Assez jolie action. Donc j'ai pris cette partie là, franchement, petite parenthèse, je pensais que je m'étais fait tuer par le rebond de la grenade. Mais en fait pas du tout, je me suis fait tuer par une MTAR silencieuse, mais j'avais pas vu. Donc là on recommence le cycle des maps. Maintenant je connais par cœur où les points vont spawn, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi. Je sais même plus ce que je disais avant, c'est pas grave. Bref. Donc vous voyez, même quand je sais où sont les points, les ennemis ils nous posent vraiment de problème. Parce qu'il faut dire que jouer contre une team en ligue, c'est vraiment beaucoup plus dur que jouer contre de joueurs qui ne se connaissent pas. Quasiment chaque fois qu'on joue contre des joueurs qui ne se connaissent pas, on gagne. Mais contre une team, on gagne très 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 rarement, parce que une team moyenne, elle nous bat, puisque ils ont de très bons moyens de communication. Enfin, j'espère qu'ils ont de bons moyens de communication. Et ils savent jouer en équipe, simplement. Moi et Manu, on est souvent deux. Et ce qui nous fait vraiment rager les deux, c'est genre, vous tombez dans une partie, n'importe laquelle, que ce soit, mais c'est souvent surtout en recherche et en point stratégique, genre il y a, j'avais souvent des Français qui disaient, ah t'as vu, il y a des niveaux platine, des niveaux or, quitte, et en ligue vous pouvez pas quitter directement au début, donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient dans la partie, et les gars ils quittaient directement quand ils commencent la partie. Donc dès qu'on commence la partie avec Manu, on n'est plus que 2 contre 4. Donc vous voyez, on peut strictement rien faire, même en point stratégique. Même dans n'importe quel mode, on peut absolument rien faire, que ce soit en point stratégique, en capture drapeau ou même en recherche. Moi je me rappelle, la semaine passée, j'avais fait un match en recherche, mais Manu avait malheureusement avait frisé. Et j'étais avec un parfait inconnu qui jouait très très bien. On était 2 contre 4 en recherche et on a quand même réussi à gagner 6-3. Donc là, on a vraiment très très bien joué. En plus, on a joué contre une team, donc on a vraiment eu, disons, beaucoup de chance et beaucoup de talent, je dirais. Donc là, vous voyez, on commence à revenir gentiment. On a bien repris le point, celui-là qui était dans le bâtiment. Donc là, comme d'habitude, eux, c'est vraiment le point qu'ils adorent, parce que là, je l'avais pas vu, le gars dans le coin. C'est vraiment le point qu'ils adorent, parce que là, ils nous mettent cher un petit peu, je dirais. Et là, en plus, là, on spawn tout derrière, donc là, c'est vraiment un peu kaki. Mais vraiment, vraiment kaki. Donc là, moi, je vais tenter une énorme action qui ne marche pas du tout, parce qu'un gars était à droite, donc ça ne marche pas. Au passage, si je peux vite vous parler de mes prochaines vidéos, je vais mettre une très très bonne partie que j'ai faite sur Meltdown. Mais j'ai aussi une vidéo, rageux. Et là, j'ai besoin un petit peu de votre avis. C'est que dans cette vidéo rageux, les gars, ils ragent pas mal, je trouve, franchement. Mais le souci, c'est que j'ai fait une très très mauvaise partie. Et donc, je sais pas si ça vous intéresse de voir le gameplay, parce qu'on a quand même gagné la partie, mais j'ai fait un très mauvais score. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je mette quand même cette partie malgré ma mauvaise partie. Donc là il reste plus qu'environ 1 minute 30 et il mène quand même de 40 points, et là il repelle le drapeau. Donc quasiment toute la partie on est mené. Ah là là. Je sais pas encore si dans la vidéo je vais mettre le titre final, parce que ouais, je sais pas, je verrai. Donc là vous voyez, 209 points, je vais immobiliser ce score et il ne bougera plus. Vous aidez bien que je mets cette vidéo, parce qu'il y aura une énorme remontée de notre part. Allez, ou peut-être pas, parce que je vous dis n'importe quoi et que vous ne devez pas m'écouter, je ne sais pas. Donc là vous voyez, on est environ à 40 points de retard. Il reste plus que 10 secondes et moi je sais que le point stratégique il sera juste en face de moi. Et je pensais jamais, franchement, qu'on aurait même une petite chance de gagner, parce que avec tout le retard qu'on a eu, ça serait vraiment juste impossible de l'envisager. Donc là je joue un petit peu ma vie, j'ai vraiment bien me cacher pour vraiment freiner les ennemis. Là on avait beaucoup de chance. Regardez, Manu qui a son foudrement, un autre coéquipier qui a son missile storm. Là on a bien tenu. Regardez, on est mené alors qu'il reste quasiment moins de 20 secondes de jeu. Donc là je me dis, allez, on reste là, au pire il y a un conflit et on attend là.
Et 207, ça va venir 207, 208, moi je pensais qu'on allait gagner. Et ce conflit, il y a deux ennemis devant, j'en tue un, l'autre tourelle tue l'autre. Et là on repasse vite devant, il reste moins de 10 secondes. Et moi je me dis, ouais on a gagné, ils peuvent plus revenir, et on a gagné. Super partie, incroyable les gars. Super. Alors franchement c'était vraiment une énorme remontée. Donc comme d'habitude, si vous la vidéo vous avez aimé, commentez et abonnez-vous. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, allez.